Salut tout le monde. Je fais une petite vidéo, je vais essayer rapide, mais ça va être tendu, d'un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu de mon pote Jérémy. C'est un troc que je lui ai fait en fait. Je lui ai troqué mon Tinimite. Ouais, j'adorais ce vapeau, mais voilà, il en avait un qui me faisait encore plus rêver. Le Tini était cool pour moi, mais c'était pas mon truc. Les vapos, je reste dans mon délire vapo électronique, je suis quand même pas méga fan. Donc en gros, on va ouvrir ça, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, hein. Alors c'est bien emballé, faut que j'arrive à déballer le truc, ça va le faire. Donc voilà, je vais essayer de faire une je donc comme ça je l'ouvre avec vous. On va bien voir ce que ça donne. Et surtout, si tout est entier. Parce que vous savez bien, la poste, hein, c'est jamais ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est mondial, donc ça va, c'est cool. Donc voilà. Petit papelard. Alors. Première partie. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de se manier, forcément obligé, parce que vous vous doutez bien qu'il va avoir un petit temps de chauffe. Voilà, je suis heureux, ça fait des années que je l'attendais. J'ai mon V-Rod qui est arrivé, alors je vous dis, je l'attends depuis vraiment très longtemps. Ça fait super longtemps qu'il me fait de l'œil. Alors le carcap, tout est clean, hein, naturellement. Ça vient pas de chez n'importe qui. Je speed, hein, je ne vais pas vous faire la démo de tout le bazar. Je pense que vous en avez vu assez tourner. Donc il m'a mis toutes les pochettes parce que je lui ai demandé qu'il me les laisse monter. Parce que j'ai vu qu'il avait galéré pour le monter. Donc du coup, je l'ai laissé. Je lui ai demandé qu'il me le laisse monter. Alors le bol, le carcaf, le socle pour. Ça, c'est l'adaptateur en 18 mm. J'écris tout ça après. Le socle. Alors, je connais pas la bête du tout. Je connais pas du tout la bête. Je l'ai vu qu'en vidéo. Je n'ai jamais. Enfin voilà, j'ai jamais testé. J'ai jamais vu en vrai. Donc là, je suis déjà très content. Ma chaudière qui se met en route. Ça, je suis moins content. Donc. On voit que le matos, c'est quand même. On voit que c'est pas de la daube. On voit que c'est pas de la daube. Alors, je vais me mettre un peu comme ça. Vous ne me verrez plus, mais vous verrez plus ou moins ce que je fais. Ce que je vais faire, je vais manier. Surtout au niveau. Pour faire un petit test avec vous. Donc, le boîtier, c'est vraiment clean, hein. Mec. T'assures. Je te remercie. Je te remercie. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis vraiment très content depuis le temps que je l'attendais. Donc moi j'ai quand même réussi à avoir, enfin il avait acheté le modèle il n'y a pas très longtemps. Du coup on est sur le modèle du V-Rod avec le carcap qui va avec la tête B2. Donc ça c'est cool, si jamais je serais quitte de devoir en racheter une tête qui coûte dans les 80 boules je crois. Donc ça m'aurait vraiment 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 fait chier, faut dire ce qui est. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais essayer de faire chauffer la bête avant de monter le truc, essayer de comprendre le principe. Le principe, tout simplement. Voilà. Donc, un petit power. Jusqu'ici, je m'en sors pas trop mal. On va retirer la bête de son socle. De son scratch, pardon. Je suis excité, hein. Je sais, depuis ce matin, 5 h du matin, je regarde comme un gosse. Je pense que j'ai regardé au moins 50 fois si j'avais reçu mon. Si le Mondial Relais était arrivé. Donc on va directement attaquer par une préchauffe. Donc la bête, elle est nickel. Nickel, nickel. Ouais, il m'avait dit qu'il y avait des petites traces à cause qu'il l'avait serré.
Je pense qu'il est encore plus maniaque que moi, parce qu'il faut vraiment les voir. Je suis trop content. Je suis trop content, je suis trop content. Alors du coup, ça grimpe. Alors on va le mettre, je sais pas, on m'a dit entre 650 et 700. On va se faire un petit 666. Hein. On va bien voir. Donc on va voir la vitesse où il grimpe. Voilà, on va bien voir, je vais vous le mettre comme ça. Vite fait. Alors je vais sortir mon bol, mon carcap, que je n'ai pas encore sorti. Donc là, il m'a mis un bol en... Enfin, il avait monté le 14 mm. Il m'avait monté le 14 mm, moi je préfère, parce que j'ai quasiment que du 18. Donc je vais essayer de choper un adaptateur à droite et à gauche, en voilà un, pour mettre sur mon meubleur. Donc voilà le bol. C'est déjà un beau bol. C'est déjà un bon petit bol. Je me sens plus. Je suis tout guette. Alors on est déjà à 518 degrés Fahrenheit. Donc il chauffe super vite par rapport à un airbox qu'il faut tirer, je sais pas moi, 6, 7, 8 minutes de chauffe pour le monter à 6 pour être sûr que ça envoie un minimum. Là on est sur un truc, voilà, ça grimpe quoi. Ça grimpe, on est déjà presque à 600. Je suis heureux. Je suis heureux. Alors, on va se faire une petite taf vite fait. Donc le carcap, bien sûr, qui va venir se poser dessus. Je vais retirer le tee. Je ferai une petite vidéo, un petit versus entre le tee et le V-Rod. Certainement très vite. Demain, je suis pas là, mais dimanche, certainement dimanche ou lundi. J'aurais bien fait ce soir faire un avec l'adaptateur. Vraiment, une latte, deux vapos, deux big vapos. Ça aurait été vraiment très cool. Là, j'aurais pas vraiment le temps. Je vais pas vous bassiner pendant 8 heures avec une vidéo qui n'en finit pas. Là, c'était vraiment un petit unboxing. Ma première impression, ma première latte avec. En espérant arriver à sortir quelque chose, on va bien voir. Donc, je vais déjà charger mon bol. Donc, bien sûr, toujours avec mes plantes médicinales légales. Donc, là, on est sur une fleur CBD de chez mon poteau Flower Factory. C'est une lemon. Donc, je vais tester. Je suis un grand fan de tout ce qui est assez fruité. Donc, voilà, elle sent vraiment très très bon. Donc on est sur une fleur CBD 0,2%, bien sûr, tout complètement légal. Complètement légal. Donc voilà, j'ai préparé mon petit carcap. Là, on est à 671. Ça ralentit un petit peu. On va essayer de meubler pendant le temps de chauffe. 673. 673. Donc voilà. Voilà. Ma mère est heureuse, ma mère est contente. Ma mère attendait ça depuis super longtemps. Et je suis content. Alors je ferai juste une démo fleur. Juste avec des fleurs. Hein. Fleurs CBD, bien sûr. Je me répète, mais voilà, j'ai pas envie qu'on commence à croire des choses. 678, j'avais mis 666, je crois. Enfin bon, bref. Peu importe, je pense. Yes. Bon, après, il faudra que j'étudie un peu tout le bazar. Hein. Je n'ai pas. Voilà. Je découvre en même temps que vous la bestiole. Alors, on va déjà voir si c'est prêt. On va déjà essayer de se tirer une mini latte. On va déjà voir ce que ça donne au bubbler. Donc, le bol. Le bol. Le carcap. Et souhaitez-moi bonne chance. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. On y est. Je vais même devoir me lever, tiens. Allez, pas grave. Big up. Testons. Alors c'est exactement ce que j'attendais. C'est de la bombe.
C'est de la bombe, le bol est vraiment clean. Je peux encore, à mon avis, tirer une paire de lattes. La fleur est vraiment très très bonne aussi. Vraiment très 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 cool. J'y retourne, je vais essayer sans carcap, mais bon, c'est mieux avec au niveau du tirage. Bon, je vous cache pas que c'est mieux avec le 4, avec le carcap. Le tirage et la fleur encore super clean. Alors est-ce que mon truc est quand, à mon avis, je suis pas encore chaud au taquet. Je suis pas encore chaud au taquet. Faudrait que je le laisse 5 bonnes petites minutes, mais je peux pas vous causer comme ça pendant 3 heures. De toute façon, je suis trop heureux. Il va falloir que je me fasse 2-3 sessions pour tester le truc. Super savoureux, c'est encore super savoureux. Je sais plus quoi dire, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse, c'est Noël. Je suis un peu en retard au niveau de Noël, mais j'y suis. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Alléluia. Alors, vous savez quoi? On va pas s'emmerder de midi à 14h. Je vais recharger maintenant qu'il a chauffé un petit peu plus. Alors, je vois pas grand chose. Putain, c'est con que j'ai pas un peu de CBD en concentré, j'aurais testé un petit peu quand même. Allez, on y retourne. On me dit qu'il est gourmand en plantes, je comprends. Je comprends tout à fait. On est mardi. C'est vraiment 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 excellent. Je peux essayer de pousser un petit peu la chauffe. Je vais la mettre à 700. Donc 700 Fahrenheit. Alors je ne sais pas exactement ce que ça représente en degrés Celsius. Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que bon, vous avez vu le temps de chauffe, c'est quand même assez cool. C'est assez rapide. Voilà. Bon, je laisse réchauffer, je vous embête encore. On a 13 minutes. Donc là, c'était vraiment première impression, première taf avec. Je vais étudier le bazar. Là, bon, je suis vraiment, voilà, je suis comme vous. J'avais jamais vu le truc. Fallait que je le teste. J'avais juste demandé un petit renseignement à un pote pour les températures parce que j'étais pas sûr au degré, enfin par rapport au Fahrenheit en fait. Donc là on est à 688, ça met un peu plus de temps à monter sur la fin, ce qui est normal. En tout cas le début grimpe à une vitesse de dingue. 690, 691. Ah bah j'ai un petit morceau de crumble CBD, on va le mettre dedans, on va bien voir ce que ça dit. Tiens, je vais retirer mon cap. Hop. On va bien avoir donc une mini 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 croquette. Donc là on est sur du crumble CBD aussi toujours. Hein. Donc on est dans du complètement légal. Alors on est à 697, 698 et 698 toujours. Allez, j'ai pas le temps d'attendre. J'ai pas le courage. Donc j'ai remis ma fleur. On pose. Un petit coup, on y va. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd.
C'est tellement bon. C'est tellement bon. Donc voilà, je pourrais encore continuer. Je pourrais encore continuer. Un petit nettoyage, vite fait. Coton. Voyez, ça, vous récupérez. Vous mettez dans votre Dina. Ah bah non, c'est un peu con ce que je dis. Ah voilà. Enfin voilà, première impression. Je suis heureux, je suis heureux. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très cool. Voilà, je vous mets la bête là. Il faut que je nettoie maintenant un petit coup pour retirer un peu le. Mais vous voyez, ça se nettoie quand même super vite. Un petit coup d'iso, à mon avis, une fois que c'est peut-être un peu plus froid, je sais pas, faut que je me renseigne. Voilà. Je vous laisse avec mon nouveau joujou. Je suis heureux. C'est beau. Si vous sentez la qualité, full titane. C'est sûr qu'il n'est pas donné, mais je pense que là, on est dans un vaporisateur qui envoie du pâté. Hein. C'est le Flower Pot qui dépote, comme on dit. Je vous laisse. Merci beaucoup. Et j'espère que c'était pas trop long. J'ai fait au mieux. Gros big up à tout le monde. Et prenez soin de vous et que ça aille bien et tout ce qui va avec et faites-vous plaisir dans la vie les gars. Big up, à plus.